Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, unboxing Oraloa. Donc je vais vous montrer ma commande, mon craquage que j'ai fait sur ce site avec mon affiliation. Donc c'est un craquage que j'ai pu réaliser grâce à tous ceux qui utilisent mon code promo. Donc je vous remercie infiniment. Tous ceux qui l'utilisent, donc je vous rappelle que mon code promo Oraloa c'est ClaraDP ou Clara10, vous pouvez utiliser les deux et ça vous procure moins 10% et ça vous permet de soutenir la chaîne puisque je touche un petit pourcentage de commission par rapport au montant de votre commande qui se met sur une petite cagnotte et donc tout ça cumulé à un moment donné, ben, je peux débloquer en bon d'achat sur Oraloa et donc je peux vous montrer des choses. Donc voici ce que j'ai pu acheter avec cette cagnotte. Donc je remercie encore tous ceux qui l'ont utilisé. Alors ça se présente comme ceci. Donc j'ai pu acheter une toile et ceci. Donc on va voir ceci en premier. Hop. J'ai pris, hop, on va baisser ça. J'ai pris le livre de coloriage Oraloa. Donc je fais un petit peu de coloriage et je peux commencer de faire un petit coloriage là-dessus. J'étais curieuse de voir ce qu'il y avait à l'intérieur et c'est un produit qu'on ne voit pas beaucoup. Donc oui, Oraloa s'est mis à faire du coloriage. Alors il y avait celui-ci et bon, il est en rupture de stock, mais il y avait celui de Vaillounette. Donc bon, au moment de ma commande, il n'y avait que celui-ci disponible, mais je suis curieuse de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc il se présente sous spirale, c'est artiste multiple, voilà, c'est Oraloa Studio, voilà. Et donc, on va voir vite fait ce qu'il y a comme dessin à l'intérieur. Donc il y a des perroquets, c'est un papier assez épais. Et il est que recto, donc ça c'est très intéressant. Donc si vous voulez utiliser des feutres à alcool, il n'y a pas de souci, vous pouvez mettre une protection en dessous et comme ça vous pouvez colorier. Et je pense que c'est ce que je vais faire et peut-être m'essayer de nouveau au coloriage avec mes Zenacolor. Donc ah, ça, celui-ci on le connaît, il est sorti même en DP et il était en pixel. Donc c'est cool de l'avoir en coloriage. Ensuite, là, il y a une belle sirène. Je découvre en même temps que vous. Hein. Très jolie. Vous savez, moi, les portraits avec les cheveux qui ont un mouvement, je suis fan. Donc, très jolie également. Magnifique. Avec un petit loup. Voilà. Un petit chat. Des personnages. Ah, Caillou, c'est cool. Celle-ci, elle existe aussi en toile et en pixel hobby. C'est le même. Ah non, c'est pas le même. J'ai cru. Il y a celle-ci qui est pas mal aussi. Une licorne. Ah, j'aime bien ce style-là également. Oh, avec des petits bonbons. Oh, une magnifique fée. Un beau papillon. Ah, très belle elle également. Des petites carpe-coil. Et voilà, donc c'est vraiment super cool. Donc n'hésitez pas, je vous mettrai le lien du site en barre de description ainsi que mon code promo de moins 10%. Et donc maintenant, on va voir la toile. C'est ce qui nous intéresse. Donc là, on est sur ma table de salle à manger parce que du coup, sur mon îlot central, c'était pas disponible. Donc c'est pas grave. On va faire avec. Donc toile sous blister. Et donc j'ai pris une nouveauté. Hop, je vous montre. L'image, elle est où? Elle est là. Voilà, j'ai pris Rituel de l'Orphelipon en diamant carré. Donc, ça me faisait trop envie et donc je me suis dit, allez hop,
Je l'ai acheté dès sa sortie. Donc c'est une 60 par 60 en diamant carré. Donc on va voir ça tout de suite. Hop. Donc dans un papier avec la référence de la toile. J'espère ne pas vous faire tomber, je ne filme pas comme d'habitude. Hop, donc Oraloa, c'est une texture très douce, dentelée, surpiquée pour pas que ça s'effiloche. Et donc, colle coulée, papier super épais. N'hésitez pas à le replacer pour la rendre plus plate. Là, voilà. Alors, est-ce que mon pied va tenir? Voilà. Ah, elle est superbe. Superbe, superbe, superbe. Hop. Je vais bien replacer la colle. Ça colle super bien. Donc, 60 par 60, c'est la dimension de l'image à diamanter, hein. Du coup, vous avez une table des matières en haut à gauche, en bas à droite. En haut, vous avez le nom de la marque. En bas à gauche, vous avez du coup la petite image, le nom de l'artiste, le nom de la toile, la taille de l'image à diamanter. En dessous, vous avez leur slogan et à droite, vous avez leurs réseaux sociaux. Ensuite, du coup, je vais vous zoomer pour faire la petite balade habituelle sur la toile pour que vous puissiez voir l'impression qui est vraiment top avec du coup le petit quadrillage et vous faire un petit avis sur si c'est beaucoup de confettis ou de blocs. Donc le fond, je dirais, ce sont des gros blocs. Là, vous avez la petite couronne de fleurs qui est pas mal confetti. Le chat, qui c'est plutôt des lignes et des petits blocs, je dirais. Ce mouvement de cheveux qui est juste superbe. Voilà, des grandes lignes. La fleur, je pense, un petit peu plus confetti, mais c'est quand même, ça reste quand même des lignes. Waouh! C'est franchement magnifique. Je vous zoome un petit peu. Hein. J'espère ne pas aller trop vite. Et que je vous donne pas le mal de mer. Voilà. Et là, vous avez un gros bloc de fond. Non, franchement, elle va être super sympa à diamanter, à faire. Voilà. Donc vous me connaissez, hein, de la magie, un portrait, des cheveux un peu au vent, un chat, ça y est, vous m'avez perdu. Il y a du violet, il y a du orange, ça y est. Vous avez avec, comme d'habitude, la petite feuille des instructions et des petits conseils, avec le code permanent AuraVIP 10, mais comme je vous ai dit, vous avez mon code promo à moi pour soutenir ma chaîne. Voilà, donc je remercie encore. Pour rappel, c'est grâce à tous ceux qui l'ont utilisé que j'ai pu m'offrir et vous la montrer, cette toile. On va voir le toolkit. Donc vous avez un kit comme ceci qui est livré avec. Donc estampillé Oraloa. Donc dans ce kit, vous avez une pince, donc là celle-ci, cette fois-ci j'ai la rose. Donc pour ceux qui me suivent, j'ai pas souvent la rose, donc là je suis très contente d'avoir la rose. Elle existe également en bleu vert et en violette. Vous avez également à chaque fois un entonnoir en silicone, donc là il est bleu celui-ci. Vous avez un stylet transparent avec un multiplaceur de 3, un embout simple. Vous avez
une petite mousse pour mettre dans le stylet, pour ceux qui utilisent le stylet du toolkit, pour que ça soit très agréable à faire. Vous avez un multiplaceur de 9. Une petite boîte comme ceci avec 3 pains de cire en forme de rond qui sont bleus. Voilà. Un washi tape Oraloa. Ah, c'est les nouveaux. Donc du coup, j'ai le nouveau design avec les petits personnages Tiki comme ceci. Et les petits oiseaux, les petites couronnes, etc. Il est vraiment très joli. Vous avez au moins 5 mètres. Le petit plateau blanc avec bec verseur. Et après, il y a les petits goodies. Donc, la petite carte de remerciement. Deux autocollants. Pour mes ongles de suivi. La petite carte à gratter, donc je vais gratter avec vous. Bon, bah j'ai perdu encore une fois. Pas grave. Please play again. Réessayez s'il vous plaît. Donc ça, hop, c'est pas grave. Et vous avez ce genre de plaque en résine, du coup, à collectionner. Il y a 10 modèles. Donc pour l'instant, moi j'ai que les 5 premiers modèles. Plusieurs doubles, plusieurs triples, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez en récupérer. On peut s'arranger via Vinted ou une enveloppe timbrée. Et là, j'ai eu Monsieur Tiki que j'ai déjà plusieurs fois. Donc n'hésitez pas à me contacter, on peut s'arranger. Voilà pour le toolkit. Ensuite, vous avez une feuille de route qui a bien changé. Qui a bien changé. Elle est comme ça maintenant. Elle est un peu argentée. Il y a des nouveaux petits personnages. Alors, c'est ce qu'on retrouve dans le washi tape. Et c'est cool parce que moi, je découpe tout. Elle est entièrement autocollante. Et du coup, moi, je découpe tout ça pour mettre dans mon cahier de suivi. Donc, ça regroupe le nom de la boutique, le nom de l'artiste, le nom de l'illustration, la dimension, le site Oraloa, l'illustration ici, donc ça c'est top pour mettre dans le cahier de suivi. Elle est franchement magnifique. Regardez-moi ça. Et donc là, vous avez toutes les étiquettes prédécoupées individuellement pour coller sur vos petits pots. Alors, elle est beaucoup plus épaisse que les blanches, les autocollants blanches. Donc voilà, individuellement. Hop. Et elles m'ont l'air moins longues, donc je pense que avant elles étaient un petit peu trop plus longues par rapport au petit pot. Je vais aller chercher un petit pot et je vous montre. Oups. Alors, j'ai été chercher un petit pot. Je vais essayer de prendre une étiquette qui n'a rien d'écrit dessus. Je vais faire le test en même temps que vous. Et ben, ça rentre l'étiquette entière sur un petit pot, et ça c'est vraiment top. Avant ça dépassait, et donc moi j'étais obligée de couper ce qui dépassait parce que j'utilise pas le numéro de couleur, j'utilise que le symbole et la DMC. Donc là en fait je serais pas obligée de découper, je prendrais directement, et ça c'est une belle nouveauté et une très très bonne nouvelle. Voilà, donc j'ai fait le test en direct avec vous. Donc elle a, en passant, 58 couleurs, 1, 2, 3, 4, 5 AB, et on voit des diamants ici que ça se finit par ND. Donc je pense que c'est des éclats de Tiki, on va voir ça. Les diamants. Je vous montre la panoplie de la couleur des diamants. Alors les diamants carrés chez Oraloa sont en résine. Et donc, pas de surprise, hein, c'est du orange et jaune, du Laure Philippon quoi. Rien qu'à la couleur, vous savez que c'est du Laure Philippon. C'est vrai que les Laure Philippon sont souvent dans les teintes orangées, c'est pour ça que j'adore. Vous savez que l'orange est ma couleur préférée. Donc du coup, ND. Je vais prendre tout ça.
vais vous mettre les couleurs comme ceci. Voilà, on voit à peu près toute la toile. Oui. Alors, on va prendre tout ça. On va choisir déjà les AB. Donc, il y a le 5200 AB. C'est Aurore Boréale AB. Et c'est une surbrillance, petite couche de surbrillance que vous avez au-dessus des diamants. Voilà, qui fait cette petite couche nacrée. Donc, celle-ci. Ok. Donc, vous en avez ici, vers les pattes du chat. Vous en avez en fait ici dans la collerette de fleurs, dans la fleur, ben non, c'est pas une collerette de fleurs, c'est la lune. C'est la lune, je savais bien que j'avais craqué pour quelque chose aussi, parce qu'il y a la lune. Je la voyais pas là sur le layout. Donc c'est la lune qui a effleuri ici. Regardez, moi j'adore la lune aussi. Bon ben voilà. Je savais bien qu'il y avait une raison de plus pour que je craque. Donc il y en a tout le long de la lune ici. Ici, dans la petite, le brin de magie, hein, j'adore, ici. Je pense que c'est pour faire un peu le vent des feuilles là qui se bougent. Et je crois que c'est tout. Ouais, ça se passe plutôt ici. Ensuite, il y a le 891 AB. Donc c'est un orange rouge comme ceci. Donc il n'y en a pas beaucoup. Donc ok. C'est l'espèce de gros hashtag. Donc c'est ici là dans les petites feuilles. Ouais, il y a juste là. Il y en a peut-être dans sa fleur de lin. Je regarde, je me penche de ce côté-là pour voir. Eh bien, j'en vois pas d'autres. Ah si, il y en a là. Ici. Ici. Si, si, il y en a de ce côté. Ici, là, dans son décolleté. Dans la fleur ici, là, vous en avez. C'est un petit peu éparpillé. Voilà. Ensuite, il y a un plus un rose, le 602 AB. Donc celui-ci, c'est le E. Et le E, il est dans le rose ici. Ouais. Dans les branches, dans ces feuilles roses là. Ouais. Dans cette branche de feuilles. Et vous en avez ici aussi et ici. Ouais. Ensuite, le jaune 445 AB. Donc là, c'est dont ce qui pendouille ici dans sa main. Donc c'est un bijou. Et ici, espèce de collier qu'elle a dans la main. Donc c'est dans l'espèce de collier qu'elle a dans la main. Et c'est tout. Je vois pas d'autres. Ouais, je vois pas d'autres. Ça doit être que ici. Ensuite, il y a un autre petit jaune. Ici, on a encore moins. 444. Ah non, je me suis trompée. Ce que je vous ai montré, c'est celui-ci. Et celui-ci, il y en a également dans cette partie-là. Mais il y en a également dans ses cheveux ici. Ici, 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 ici. Il y en a également ici. Ouais. Et dans son bras ici. De celui-ci. L'autre, le petit, il n'y a que ici. Voilà. Ensuite, les ND. Eh bien, c'est les éclats de Tiki. Alors, il y en a un rose. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Mais il y a des paillettes sur le dessus. Là, vous les voyez bien. Voilà. Donc, c'est la note de musique. Et la note de musique, il y en a dans son bas de lèvres. Euh,
Il y en a plein dans ces fleurs-là, dans la tête, là. Ah ouais, tout le milieu de sa fleur-là. Ouais, c'est tout dans cette fleur-là et dans le bas de sa lèvre. Ouais, c'est là. Ça va être super canon. Ensuite, vous avez le violet 550 éclats de Titi. Là, vous les voyez bien, plutôt bien. Voilà, vous voyez toutes les petites paillettes qu'il y a. Donc, le 550, c'est le pi. Le pi, en fait, c'est tout ici. Ouais, c'est tout son reflet de cheveux à l'intérieur de ses cheveux. Et tout le contour ici de la fleur. Ouais, c'est ça. Il y en a un petit peu dans ses yeux aussi, dans son regard. Et un petit peu ici dans son sourcil là. Est-ce qu'il y en a sur le chat? Non. Non, il n'y en a pas sur le chat. Et il y en a un autre, un plus clair. Donc là, c'est pareil, vous le voyez à ce niveau-là. Là, il y en a beaucoup, je trouve. Et c'est le 209 et c'est le pourcentage. Et donc là, il y en a dans le chat par contre. Il y en a ici, ici, dans ses pattes. Ici, dans la petite fleur qui est à côté. Il y en a dans la lune. Et il y en a dans ses mèches de cheveux. Ouais, ça va être trop, trop, trop beau. Trop, trop, trop beau. Ah ouais, même sur son corsage, là, il y en a. Ici, ici, ici. Ouais, franchement, ça va être canon. Elle va être canon. Voilà. Voilà pour cet unboxing. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous remets, hop, le livre de coloriage parce que il y avait également le livre de coloriage. Je ne sais pas comment vous le mettre. Je vais le mettre en arrière-plan. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner pour voir l'évolution de mes toiles. N'hésitez pas à utiliser mon code promo. Et moi, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!